Parce que vous savez que deux fois ça peut déborder aussi. Rapprochez le micro, maman. Je dis dans le sens que ça peut déborder. Que l'homme ne soit pas toujours là. L'homme n'est pas là. Voilà. Et que la femme, elle a même, elle, comment dire, elle, c'est elle qui gère tout, le compte bancaire, qui gère la maison, qui gère les enfants. Elle gère aussi son travail, parce que c'est une situation qui est beaucoup dans les pays aussi. Occidentaux, oui. Oui. Comment elle a, et que la femme a déjà l'autorité, parce que quand son mari rentre, elle ne, comment dire, elle se sent plus. Donc, le mari n'est plus à sa place au fait. Ok. Puisqu'il n'est pas, il n'est jamais là tout le temps. Okay. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Ok. La question, c'est la simple, cette question. Regardons. Quand le mari n'est pas là, la femme dirige la maison, mais elle dirige la maison, elle ne dirige pas son mari. Elle dirige quoi? Les enfants et puis tout ce qui est. On a déjà répondu un peu à ça. Pourquoi? Parce que la femme, par rapport aux enfants, la femme occupe la position de l'homme. Elle a l'autorité sur les enfants. Donc elle doit diriger les enfants. C'est elle qui doit donner ordre aux enfants, même si l'enfant n'a pas 100 ans. C'est son enfant. S'il est dans la maison, elle le dirige. Est-ce que nous comprenons? Mais, cette direction de cette femme, quand son mari n'est pas là, elle ne doit pas faire les directions en dehors. Quand elle fait les directions, elle fait le rapport à son mari. Ou elle appelle son mari pour lui demander comment on doit gérer les choses. Et c'est le mari qui va donner l'ordre. Je ramène ça maintenant sur le volet spirituel. L'esprit de Dieu, c'est l'homme, le prédicateur, là, par rapport à l'esprit de Dieu, c'est la femme. Maintenant, par rapport à nous, le peuple, ils deviennent l'homme, le peuple devient la femme. Eux, ils conduisent le peuple sous l'autorité de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, un prédicateur ne peut pas diriger l'église sans l'esprit de Dieu. C'est la mort. Une femme ne peut pas diriger la maison sans l'autorisation de son mari. Si elle a eu à faire quelque chose, elle a vaincu l'homme. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est l'homme qui va donner les directives, va orienter pour dire voici, 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 voici. Sur ce, je crois que la question a déjà été répondue. Excellente question. Est-ce qu'une prophétesse est-elle un ministère d'autorité? Je réponds. Est-ce que le ministère de prophétesse est un ministère d'autorité? Prophétesse est-elle un ministère d'autorité? Un ministère. Est-ce que le ministère de prophétesse est-il un ministère d'autorité? Ok. Donc, bon, j'avais écrit comme ça, c'est que chacun comprend. Prophétesse, une prophétesse est-elle ministère d'autorité? Chacun va comprendre là-bas. Ok. Laissez-moi vous dire à la base que prophétesse n'a jamais été ministère d'autorité. Jamais. Ça ne passe même pas quelque part. Prophétesse n'a jamais été ministère d'autorité. Aaron, Moïse, Myriam, ainsi que les quatre fils d'Aaron, eux tous, ils étaient de la famille des Kéatites. Maintenant, quand il s'agissait d'employer des personnes dans le service sacerdotal, Dieu prend Aaron, il prend Moïse, il prend les quatre fils, même Myriam à côté. Le quand on dit prophétesse dans l'ancienne alliance, il y a plusieurs qualités qui sont autour. Quand on parle de prophétesse, d'abord c'est lié au don de la prophétie. Ce n'est pas lié au don du ministère. Non. Ce n'est pas lié à ça. Ce n'est pas lié au don du ministère de la parole. Donc elle ne peut jamais. Elle ne pourra jamais prendre de l'autorité dans l'église. Est-ce que nous comprenons? On va faire avec des exemples. On va faire avec des exemples. Exode, chapitre 15. Donc, quand on dit prophétesse, ça c'est lié au don. Ce n'est pas lié à un ministère. Ce n'est pas un ministère établi dans l'église pour dire que tu es prophétesse. Non, ce n'est pas ça. Exode 15. Prenez la partie de Marie. Là. Exode 15, 20. Exode 15, à partir du verset 20. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Marie, oui. La prophétesse, sœur d'Aaron. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Pourquoi?
où on l'appelait la prophétesse. Est-ce que c'est parce qu'elle était dans le sacerdoce? C'est elle qui gérait la tente d'assignation, le lieu très saint? Non. Mais pourquoi on va dire qu'elle a autorité? Elle n'a aucune autorité. On l'appelle prophétesse parce qu'un jour le matin, elle s'est révélée. Elle dit que Dieu aussi nous parle. Or, le Seigneur pourrait dire que s'il y a un prophète du milieu de vous, moi je m'adresse à lui en songe, en vision. Est-ce que nous comprenons? Donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, parce que nous avons des songes, parce que nous avons des visions, parce que Dieu nous parle, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Donc, à la base, nous tous, on a l'esprit de la prophétie. À un moment, il fallait dire avant. On a l'esprit de la prophétie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne des songes. Le Seigneur te donne des visions. Donc, à la base, tout chrétien a l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit. Ça n'a pas mis qu'il est vrai. Donc, c'est comme tu as l'esprit de la prophétie, à la base. Maintenant, quand cette femme Myriam était appelée prophétesse, elle a appelé prophétesse par rapport à quoi? Elle a appelé prophétesse parce qu'elle avait le don de la prophétie. Qu'est-ce que vous comprenez? Regardez Saül. Lorsque Samuel lui a donné la direction, Samuel a dit, tu vas trouver une troupe de prophètes. C'est bien les prophètes qui étaient là-bas. Ce n'étaient pas les prophétesses qui prêchaient dans l'église. Suivons bien. C'était les prophètes qui avaient le don de la prophétie. C'est par rapport au don de la prophétie qu'on les appelait prophètes. Mais ils n'étaient pas prophètes parce que c'est eux qui étaient dans le sacerdoce. C'est pas comme ça. Il y a eu des prophètes dans la Bible qui étaient dans le sacerdoce, comme Samuel, comme ça. Samuel, lui, en même temps qu'il avait l'esprit de la prophétie, mais en même temps, il était dans le sacerdoce, c'est lui qui. Mais en d'autres, il n'était même pas dans le sacerdoce. Eux, ils ne faisaient que prophétiser seulement. Prophétiser, oh, prophétiser. Et c'est ceux-là qu'on appelait prophète, c'est ceux-là qu'on appelait voyant. Dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on les appelait prophètes, ou encore on les appelait prophétesses, c'était lié premièrement au don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Suivons bien. C'était lié au don de la prophétie. Maintenant, Juge. Juge. Chapitre 4. Verset 4. Vous allez voir. Juge 4, 4. Donc, Juge 4, verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Dans ce temps-là, Déborah. Écoutez bien, on dit dans ce temps-là, Déborah. Prophétesse. Virgule prophétesse. Femme de Lapidote. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Quelle est la fonction qu'elle occupait? On dit était juge en Israël. Donc elle n'était pas dans la fonction de prophétesse. Elle était prophétesse par rapport au don. Mais la fonction qu'elle elle occupait là, elle était juge. Continue frère. Donc on ne peut pas dire que parce qu'elle est prophétesse, elle a plus autorité. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle était juge, donc c'est la fonction de juge à laquelle elle exerçait. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama. Entre Rama et Bethel. Oui. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Ephraïm. Oui. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour les être. Les enfants d'Israël jugés. Montaient vers elle pour être jugés. Pour être quoi? Jugés. Pour être quoi? Jugés. Donc, quelle est la fonction qui lui a donné l'autorité? Juge. C'est la fonction du juge. Ce n'est pas la fonction de prophétesse. Est-ce que nous comprenons? Donc dire que prophétesse est un ministère d'autorité, c'est aberrant. Ça ne passe même pas. C'est pour ça que j'ai une question. Parce que dans la voie l'âge, ils disent beaucoup que le fait que Déborah était prophétesse, donc une femme a le droit d'être pasteur. C'est faux. C'est faux. Regarde. Le mot prophétesse ici, c'est le féminin du mot du prophète. Prophétesse est là. C'est le féminin des prophètes. Parce qu'il y a deux types de prophètes dans les Écritures. Il y a prophète lié au don. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas les places. Quand ils prophétisent un peu, ils parlent, ils disent des prophètes. Saül, il a prophétisé.
Quand on a vu, on dit qu'il fait partie des prophètes. Il n'était pas prophète. Non, on a dit qu'il fait partie des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on a vu le don de la prophétie se manifester en lui. Donc, il y a une catégorie de prophètes dans la Bible. C'est lié au don. Donc, prophétesse, qui est féminin de ce prophète-là, ça, c'est le prophète lié au don. C'est son féminin qui est là. Mais quand on parle des cinq ministères et qu'on dit prophète, là, c'est pas celui qui prophétise, c'est celui qui enseigne. Parce que c'est le ministère chargé d'enseigner dans l'église. Il y a deux qualités, suivez bien. Prophète qui est là. Ou on dit son féminin prophétesse. Ça, c'est lié au don de la prophétie. Mais quand on parle des cinq ministères dans Éphésiens, quand on dit apôtre, on dit prophète, on dit docteur. Le prophète qui est là-bas, il n'a pas de féminin. Il est masculin, masculin. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est pas prophétiser. Son rôle, c'est d'enseigner. Il enseigne comme l'apôtre. Il enseigne comme le docteur. Il enseigne. Eux tous, là, ce sont des enseignants. C'est eux qui enseignent. Maintenant, sur la prophétesse, prophète, ce sont des gens qui ont une particularité. C'est vrai, nous sommes reçus l'esprit de la prophétie. Mais il y a des gens, tu sais qu'il y a une différence. Il y a une particularité où le Seigneur l'utilise beaucoup. Pour que les questions de l'église, on puisse aller vers eux pour interroger le Seigneur, pour pouvoir les traiter. Donc eux, ils jouent de façon, on ne sait même pas comment je vais dire. C'est-à-dire, quand tu regardes, ils sont en train de jouer en fonction de prophète. Mais ce n'est pas prophète ministre de l'évangile. Mais c'est prophète lié au don de la prophétie. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset. 1 Corinthiens 14. Attends, je vais trouver le verset. Voilà. Et celui qui prophétise. Verset 28. Verset 28. Verset 28 au verset. Au verset 32. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. S'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église. Donc on parle à soi-même. C'est-à-dire que dans le livre de 1 Corinthiens 14, la question qu'il est en train de résoudre, là, c'est la gestion des dons dans l'église. Don de parler en langue et puis don de prophétie. Ce sont les deux questions. Il n'était pas en train de parler des ministres de l'évangile. Il ne parlait pas de ça d'abord. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Oui. Et quand on parle à soi-même, s'il n'y a pas d'interprète, on parle à soi-même et à Dieu. Oui. Pour ce qui est des prophètes. Pour ce qui est des prophètes. Est-ce que le terme prophète qui est ici, là, c'est le même terme prophète qui est derrière là-bas? Quand on dit Dieu a établi périmètrement dans l'église, c'est pas la même chose, hein? Ah! Si tu n'as pas les yeux pour voir, tu confonds tout. On dit pour ce qui est des prophètes. Allons-y, nom de Dieu. Que deux ou trois parlent. Que deux ou trois parlent. Mais quand on dit deux ou trois parlent, jugent. Que les autres jugent. Ils vont juger la prophétie. Les autres vont juger la prophétie. Donc il est en train de réécrire tout ce qui est prophétie. Mais il les appelait comment? L'apôtre Paul les appelait comment? Prophètes. Mais il n'était pas ministre de la parole. Ce n'était pas eux qui venaient pour dire enseigner dans l'église. C'est-à-dire que c'est un vase que le Seigneur utilisait quand il y a manifestation de l'esprit passe par eux pour livrer des prophéties. L'apôtre Paul les a canalisés tous sur le pied du prophète. Donnez-moi comme ça. C'est ce que le Seigneur a fait entre Moïse et Aaron. Question. Un bien-aimé qui souhaiterait savoir comment appelle-t-on un vase par lequel le Saint-Esprit passe pour s'adresser à son peuple. Comment appelle-t-on un vase par lequel le Saint-Esprit parle, passe pour s'adresser à son peuple? Est-ce une prophétesse ou une servante de l'Éternel? Les deux passent. Les deux passent. Les deux définitions, ça passe. À la base, nous tous sommes les serviteurs servants de l'Éternel. À la base. Les deux passent. Appeler cette dernière prophétesse ne veut pas dire qu'elle exerce un ministère d'autorité dans l'église. On a démontré cela. On a démontré. Elle n'exerce pas de ministère. Même quand il prend la prophétesse Hulda, quand il prend Déborah, Déborah, elle est juge. Elle peut aller s'asseoir dans le palais des juges là-bas. Mais on dit qu'elle partait sous le palmier de Déborah.
Est-ce que les gens cherchent à comprendre ce qu'on appelle parmi les Déborah? Est-ce que les gens cherchent à comprendre ce qu'on appelle le panier de Déborah? Mais ils n'entrent pas là aujourd'hui. Donc elle était là-bas. Quand tu prends Oulda, elle était dans son coin là-bas. Et les gens venaient pour consulter l'Éternel au travail d'elle. C'est ceux-là que les gens appelaient prophétesse. Donc aujourd'hui, là, ce rôle, cette fonction aujourd'hui existe dans l'église. Même si au baptême, on fait baptême des saints, on dit remplis-le, remplis-le. Tu peux prophétiser sur les chaînes, mais après là, tu vas voir que parce que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur veut te donner, ça s'arrête. Tu as prophétisé juste pour que ce soit un signe afin de confirmer que ouais, l'Esprit de Dieu est là. Donc pourtant, ça va s'arrêter. Mais ceux qui ont ce don là, tu vois que ça va continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Donc toi, tu l'appelles prophétesse. Mais là, c'est à elle de savoir que quand tu l'appelles prophétesse, elle ne doit pas faire comme ça. Ben, tu n'existes rien. C'est un don. Un don spirituel. Donc ça ne fait pas de toi. On ne te donne pas une fonction particulière dans l'église. Donc que tu l'appelles prophétesse, que tu l'appelles servant, que tu l'appelles vase, c'est la même chose. C'est tous les mêmes détours. Ok, question suivante. Question suivante. Mmh. J'aurais appris que pour être prophétesse, il faut être vierge. Il faut être quoi? Vierge. Yeah. Âgée. Est toujours au temple. Waouh! Acclamons le Seigneur. Ça. On va dire à Lingala et Lili Kitoko. Reprenons encore. Appuyons bien. Je l'ai appris. Oui. Que pour être prophétesse, oh, il faut être vierge. Il faut être vierge. Âgé. Est toujours au temple. Il faut avoir 84 ans. Il faut toujours au temple. Merci. Je dis oui et je dis non. Je dis oui pourquoi? Parce que ce sont les critères. Mais c'est un volet spirituel. Je dis non parce qu'on ne va pas attendre que tu aies 84 ans avant d'être établi prophétesse en l'église. On ne va pas dire que déplace ton matériel qui ton mari va donner à l'église. Ce n'est pas ce qu'on va te dire. Tout cela, c'est des critères, des caractéristiques. Quand la Bible parle de la virginité, la Bible parle de la pureté. Donc tu dois marcher dans la vie de sanctification. Quand la Bible parle encore d'être âgé, la Bible te demande d'avoir l'expérience, la maturité. Et quand la Bible parle du dernier critère, c'est quoi? Elle doit être dans le temple. Au temple. Ça parle de l'intercession. Parce que cette femme a dit qu'elle servait Dieu jour et nuit au temple, dans la prière. Donc ça parle de l'intercession. Donc c'est tout ça qui vient pour accompagner, pour que le don là, ne s'éteigne pas en toi. Si tu exerces ce rôle, que tu n'as pas la maturité de la parole. Mais tu as nous livré quoi comme prophétie? C'est pour faire la prophétie qu'on combat ici. Si tu n'as pas de la prière dans l'intercession, comment le don sera arrivé? Voici ce que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas être vierge. Mais attention, on prend dans l'église. C'est moi, c'est ici, c'est dans Jésus, il a vu qu'il y a quelques filles vierges. Sinon, les assemblées de la voie large, là, même 600 à 0. Donc si on veut attendre ça, c'est que toutes les professions ont fermé nos bouches. Parce qu'aucune n'est vierge. Même les garçons même qui prophétisent, c'est qu'ils n'ont qu'un puceau. Dans ce cas, ils n'ont qu'un puceau. Donc, celle qui a posé la question, celui qui a posé la question, voici la réponse. Être vierge, c'est le marché de la pureté, de la sanctification. Être âgé, c'est avoir l'expérience de la parole. Et la femme n'a pas été veuve. Donc, tu as dit qu'elle soit veuve. Non. Être veuve, ça veut dire quoi? C'est dire que tu veux. Quand on dit que quelqu'un est veuve, c'est dire que son mari n'est plus là. Elle a fixé tout son espoir sur le Seigneur. Donc, elle ne met pas son espoir sur les choses de ce monde, mais elle met son espoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me donner un autre micro? Jésus. Jésus. La pile est faible. Un autre micro. Ok. Donc, c'est ce que nous disons. Voici ce qui est fait. Ok, on continue. Oui. Une question. Qu'est-ce que la femme peut-elle donc faire dans l'assemblée? On a expliqué tout ça depuis le début. La femme là, prophétiser là, ça ne dépend même pas de toi-même. C'est pas quand tu délèves comme ça pour prophétiser, c'est l'esprit de Dieu qui descend. Non, c'est pas pour dire que non, homme comme femme, tout le monde prophétise. La femme peut chanter, la femme peut faire intercession, la femme peut prier, la femme peut être diacre, la femme peut enseigner les jeunes sœurs. On a expliqué toutes ces fonctions dans l'église. On a expliqué ça depuis le haut.
Oui, allons-y. De nos jours, sommes-nous tous égaux, hommes ou femmes? De nos jours, sommes-nous tous égaux, hommes et femmes? Oui, ça, c'est une question. Ça vient souvent dans les débats. Quand on fait les débats avec les hommes de Dieu, ils disent, ils prennent l'écriture pour dire qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni âme, nous tous, nous sommes devenus un. Mais laissez-les parler. Parce que quand on prend une écriture, on prend l'écriture dans son sens et dans son contexte. Quand on dit que nous sommes un en Jésus-Christ, c'est par rapport à l'héritage. C'est par rapport au ciel. Par rapport au ciel, nous sommes un. Mais on n'est pas égaux dans le Seigneur. Il y a homme et puis il y a femme à côté, différencié. Mais quand nous sommes un, c'est par rapport à l'héritage, par rapport à la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons? Donc,